Fidèle de RT Gospel Africa. C'est bien moi, votre fille, votre sœur, Micklin Fouilla, pour le plus proche, c'est Mickey. Je profite d'honorer la présence de l'équipe technique. Respect. Peuple de Dieu, là nous sommes au numéro 13, avenue de la Paix, quartier Joli Parc à Macampan, avec les orateurs comme Pasteur Louis Antounassi et la servante de Dieu Abigail Bagata. À la découverte, bien-aimée. Bien-aimés, je nous laisse regarder comment s'est déroulée la soirée dénommée la restauration. Et après ça, si possible, nous allons essayer de parler avec quelques responsables et fidèles de l'église, les rassemblements des grâces. C'est parti. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons
et leurs filets se rompaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors nous sommes dans une soirée de prière que nous avons dénommée Restauration. Nous avons dénommé Restauration et nous avons un thème que nous sommes en train d'exploiter. Nous disons qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, tiré de Ésaïe 61, le verset 4, comme on vient de le lire. Amen. Alors, si nous avons choisi ce thème, c'était parti d'un constat. Nous avons constaté, ou nous avons vu avec vous, que dans plusieurs vies, plusieurs personnes ont besoin de la restauration. Alléluia. Amen. Nous constatons qu'il y a de la ruine, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il y a des choses qui sont détruites, qu'il y a des vies, des prières qui sont mortes comme ça et qui n'arrivent plus à se relever, qu'il y a des finances qui ont disparu et qui n'arrivent plus à revenir, qu'il y a des familles qui se brisent à chaque fois, mais qui n'arrivent plus à se renouer. Alléluia. Amen. Nous avons remarqué que dans l'église, corps du Christ, je parle de l'église de mon pays, nous avons beaucoup de couples qui vivent toujours ensemble, mais qui sont séparés à l'intérieur. Nous avons des frères, des sœurs qui ne vivent plus en harmonie. Nous avons toutes ces choses qui ont été détruites. Et nous avons décidé, nous avons choisi de parler de ce thème ce soir. Et l'objectif de ce message est seulement de rassurer à quelqu'un qu'on peut recommencer. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, certes les choses ont été détruites, certes les choses ont été abîmées, les choses ne marchent plus comme avant, mais on peut recommencer. Après cette phrase, je crois que je peux déposer le micro, partir, j'aurai fait la moitié de ce que je veux faire. Je viens dire à quelqu'un, on peut recommencer. Je veux dire à quelqu'un, on peut rebâtir. Je veux dire à quelqu'un, même si la muraille était tombée, il y a un ennemi qui peut se lever et venir rebâtir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que même si la famille était brisée, non, Jésus peut venir et restaurer les choses. Alléluia. Amen. Alors concrètement, rebâtir veut dire bâtir encore. Rebâtir veut dire recommencer. Rebâtir veut dire relever. Alléluia. Amen. Et on parle de ruine lorsqu'il y a eu destruction. Si on parle de ruine, c'est qu'il y avait quelque chose au préalable, mais la chose a été perdue. Il y avait quelque chose avant, mais la chose a été perdue. Il y avait des finances, mais les finances se sont retrouvées envolées. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Jésus restaure. Le chaos peut arriver, le chaos peut venir emporter plusieurs choses, mais Jésus restaure. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fait le choix d'une faculté. Alléluia. Elle était convaincue au début, elle est allée faire cette faculté, elle a fait la première, la deuxième, mais arrivée à la troisième année, les choses ne marchent pas. Elle s'est dit, je travaille, j'étudie, je vais à l'université tous les jours, mais ça ne marche pas, j'arrive pas à réussir. Je viens dire à quelqu'un, là, tu peux recommencer. Seulement dans cette faculté, tu peux recommencer. La Bible me montre les apôtres, à un moment en Jérusalem, les apôtres étaient la risée de tous. Mais il s'est fait qu'après que l'Esprit est venu, les apôtres étaient maintenant bien regardés de tout le monde. Nous croyons fermement que là où les choses ont mal tourné, le Seigneur peut venir restaurer. Nous croyons fermement que là où les choses étaient abîmées, le Seigneur peut venir restaurer. Ah, j'aime cette chanson, les choses ont été abominables, parce qu'il restaure, il arrange, il rebâtit. Alléluia. Ce que j'aime encore, c'est qu'il donne la force. Alléluia. Il dit qu'ils rebâtiront sur l'ancienne rue. Ésaïe 61, au début, parle de Jésus. Alors que Jésus viendra, il aura une onction spéciale sur lui. Il aura une onction qui lui donnera la capacité de faire marcher les paralytiques. La capacité de donner la vue aux aveugles et toutes ces choses. Mais arrivé au moment de rebâtir, il dit qu'ils rebâtiront sur l'ancienne rue. Et nous croyons fermement que ce soir, le Seigneur donne le matériel à quelqu'un pour rebâtir sur les anciennes rues. Que ce soir, le Seigneur sera en train de donner à quelqu'un le matériel nécessaire pour rebâtir ce qui est prévu. Alléluia. Et voici les sous-thèmes.
encore ce soir, on peut recommencer. On peut recommencer. Alléluia. Amen. Luc chapitre 5 nous parle de la pêche miraculeuse. Amen. Amen. Alors il s'est fait que Pierre était en train de pêcher. Il est sorti pour pêcher. Il a commencé à pêcher, ils ont fait ce qu'ils font d'habitude, mais il s'est fait qu'il n'a rien noté. Il peut se dire, j'ai gaspillé mon temps, j'ai perdu mon temps, je suis allé, j'ai travaillé, mais je n'ai rien eu. Il se dit, peut-être, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, mais je n'ai rien eu. J'ai sacrifié ma nuit, j'ai associé des personnes, mais rien n'a marché. Pas un seul poisson. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, les échecs existent parce que les solutions sont là. Alléluia. J'ai envie de dire, l'échec, cet échec-là existe parce que la solution existe. Et je parle d'une seule solution ce soir. Je parle de Jésus. Alléluia. Nous parlons de Jésus. Alors, permettez-moi de parler rapidement de quelques causes des échecs. Des raisons pour lesquelles les choses sont en ruine, et puis parler de comment être restauré. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, la première des choses dont j'aimerais parler ici, c'est la négligence. À des fois, la ruine arrive dans la vie des personnes parce qu'ils sont négligents. À des fois, la ruine peut arriver dans tes études parce que tu n'es pas bien appliqué. À des fois, la ruine peut arriver dans ton mariage parce que tu as délaissé l'autre. À des fois, la ruine peut arriver dans ta vie avec tes soeurs et tes frères seulement parce que tu t'es mal comporté. Tu as négligé les trucs qu'il faut avoir de l'amour fraternel ou quoi que ce soit. À des fois, la ruine arrive dans nos affaires aussi parce qu'on a un peu trop laissé la confiance aux autres et on s'est retrouvé en train de faillir. Alléluia. Amen. Souvent, on a des problèmes parce qu'on est négligent. C'est la première des choses dont j'aimerais parler. La deuxième chose que je dis à quelqu'un ce soir, à des fois, on échoue parce que les parents ont fait pour nous des mauvais choix. Les responsables nous ont mal conduits. Alléluia. Amen. J'ai vraiment fait les parents, n'est-ce pas? Amen. La Bible parle de Méphibosheth. Les théologiens racontent que cet homme a perdu ses jambes, pas parce qu'il avait mal agi, pas parce qu'il avait péché ou quoi que ce soit, mais parce que la nourrice l'a prise, elle courait avec l'enfant et quand ils sont tombés, il s'est retrouvé perdu des pieds. Alléluia. C'était pas à cause de Méphibosheth, il n'avait rien fait pour cela. Mais c'était à cause de la personne qui était responsable de lui et qui a engendré cet accident. La troisième chose dont j'aimerais parler, c'est les forteresses. Alléluia. La Bible parle de forteresses comme des pensées, des choses qu'on s'est construites dans la tête qui nous empêchent de réaliser quelque chose. On a eu à faire une chose, on a échoué et on a peur de revenir parce que les forteresses se sont formées. C'est l'une des choses qui font en sorte que les ruines restent, que les personnes ne viennent pas rebâtir. Alléluia. Tu te dis, j'ai commencé là, je ne sais pas pourquoi, je parle beaucoup des études. J'ai commencé là, mais regarde, j'ai échoué. Je ne peux plus recommencer. Tu as envie de refaire, mais tu te dis, ça ne va pas marcher. Parce que la peur de rejouer a construit quelque chose dans ta tête. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a les découragements des autres. Les autres viennent te dire, non, mais tu vois, le droit, ce n'est pas pour toi. Ils oublient que tu as fait la G1, tu as fait la G2. Mais ils te disent, le droit, c'est pas pour toi. La médecine, c'est pas pour toi. Non, ce mari n'est pas pour toi. Alors qu'on a fait 4 ans, on a eu 2 enfants, mais ils te disent que ça, c'est pas pour toi. Seulement parce que la ruine est arrivée. Les découragements des autres. La cinquième chose qui fait en sorte que les ruines arrivent, c'est que on fait souvent des mauvaises choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, demande à l'esprit avant de choisir. Alléluia. À des fois, on choisit mal. La Bible me dit que Samson a fait le choix
de livrer son secret à Delila. Alléluia. Et parce qu'il a livré son secret à Delila, il s'est retrouvé sans cheveux, sans force et on l'a arrêté. Alléluia. Les mauvais choix que tu seras en train de faire va te rendre captif chez les Philistins. Il va te rendre esclave des Philistins. Alléluia. Les mauvais choix que l'on fait nous emmènent dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Seulement parce que tu n'as pas choisi d'écouter la voix de Dieu. Parce que tu as choisi de désobéir à la voix de Dieu. Et ce genre de choses apportent la ruine. Mais après tout cela, nous disons encore qu'on peut être restauré. Alléluia. Qu'on peut être restauré. Je ne sais pas, tu peux avoir fait le choix de livrer ton secret. Mais la Bible est en train de me dire dans Juges qu'à un moment donné, le secret qu'il avait livré l'a emmené dans... l'esclavage chez les Philistins. On a choisi un jour pour l'arrêter, les ridiculiser, ensuite le tuer. Mais la Bible est en train de me dire, pendant qu'ils étaient en train de faire toutes ces choses, les cheveux avaient commencé à repousser dans la tête de ça. Alors qu'ils ont arrêté toutes ces choses, alors qu'ils ont choisi de te livrer en spectacle, de te ridiculiser, de t'emmener à la mort, ils ne savent pas que tes cheveux sont déjà en train de recroître. Alors qu'ils pensent qu'ils seront en train de t'enterrer. J'ai dit, tu peux recommencer. Amen. Tu peux recommencer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un processus que j'ai retenu pour être restauré. Nous avons dit que la solution, c'est Jésus. Alléluia. Amen. La solution, c'est Jésus. Mais permettez-moi de nous donner ce processus après quoi nous allons prier pour être restauré. La première des choses que je demande à quelqu'un qui constate la ruine dans sa vie, qui constate la ruine dans sa vie de prière, qui constate la ruine dans sa vie chrétienne, qui constate la ruine dans son mariage, que tu dois reconnaître que tu as échoué. Je ne sais pas intérieurement, mais tu dois reconnaître que oui, là, en ce moment précis, j'ai échoué. J'ai fait cet examen, mais j'ai échoué. J'ai passé ce test, mais j'ai échoué. La Bible est en train de dire, Pierre a commencé par lui dire, je n'ai rien eu. Alléluia. Amen. Il a reconnu qu'il n'avait rien obtenu. Il a reconnu qu'il a fait l'effort, mais qu'il n'a rien obtenu. Et je demande à quelqu'un ce soir, commence par reconnaître que tu n'as rien eu. La deuxième chose que je nous demande, c'est... de laisser Jésus entrer dans sa vie. Alléluia. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Non, laisse Jésus la place dans ta vie. La Bible est en train de dire que Jésus lui a demandé sa part et il le lui a donné. Non seulement il le lui a donné, il était là pour lui conduire. Il l'a emmené, il a dit, pousse-toi un peu dans les eaux. Il s'est poussé un peu dans les eaux. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre la décision de laisser Jésus entrer dans sa part? De laisser Jésus entrer de laisser Jésus prendre la place dans sa vie afin qu'il puisse le conduire comme il le veut ou comme tu le veux, Seigneur, conduire. La troisième chose que je nous demande, c'est d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement tu laisses Jésus entrer dans ta vie, mais tu lui fais confiance. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des gens qui l'ont laissé entrer, mais alors qu'il le conduit, il ne veut pas entendre. Alors qu'il lui dit, fais cela, il ne veut pas entendre. Mais Pierre est en train de dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Il n'a pas dit, j'avais déjà péché là. Il n'a pas dit, j'ai déjà fait ça toute la nuit, je ne veux plus le faire. Mais il a dit, certes, j'avais fait. Mais sur ta parole, je rejette encore le filet. Est-ce que quelqu'un peut accepter de peut-être paraître bête, de peut-être paraître recommencer la même chose, mais seulement parce que le Seigneur l'a dit, qu'il accepte de recommencer, qu'il accepte de rejeter encore son filet. Fais confiance au Seigneur et foi en lui. La Bible est en train de dire, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision ce soir de faire confiance au Seigneur, de croire que le Seigneur est le rémunérateur de celui qui le cherche? Oui, je te cherche, Seigneur, et je sais, j'ai foi en ce que tu me demandes. Tu vas me restaurer. Alléluia. Amen.
paix à la fois les forteresses tombent. Quand je crois en ce que le Seigneur me dit, je n'ai plus les pensées qui m'empêchent de faire ce que je dois faire. Quand j'ai foi au Seigneur, je ne doute plus. Je ne sais pas, je ne dis pas que ça c'est pas réfléchi, ça c'est pas raisonnable, mais je fais seulement ce qu'il me demande de faire. La Bible me parle de la noce de Cana. Il fallait qu'il en puisse avoir d'autres vins. Mais Jésus est en train de dire à l'ordinateur du repas, mon Dieu. Il lui dit, remplissez d'eau les vases. Nous savons tous que pour les vins, nous avons besoin des outres. Parce que la Bible dit, on ne place pas du vin nouveau dans des vieilles outres, dans des vieilles outres. On a besoin des outres. On n'a pas besoin des vases. Les vases sont destinés à la purification des Juifs. Je suis censée arriver, puiser, me laver les pieds. Je me lave le visage et j'entre. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de dire à ces personnes, remplissez de les vases. Remplissez de les vases. Il pouvait lui dire, ce n'est pas dans les vases qu'on va trouver les vins. Cette eau est sale, on rétranche dans cette eau. Mais il dit, remplissez, ils ont rempli. Et la Bible me dit qu'ils ont trouvé du vin, oh mon Dieu. Alors ils ont servi, ils ont trouvé du vin. Et l'ordonnateur du repas dit, Seigneur, un vin meilleur. Cela, non, Jésus n'était pas encore là. Ils ont eu besoin d'entendre la voix du Seigneur, qu'elle semble irréfléchie, irraisonnable, abîmée, mauvaise. Je ne sais pas, moi, ce n'est pas de mon intelligence, mais je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Alléluia. Amen. Toute la nuit, je n'ai rien reçu. J'ai travaillé. J'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma force, mais je n'ai rien reçu. Est-ce que le travail ne suffit pas? Est-ce que la force physique ne suffit pas? Est-ce que associer des personnes ne suffit pas? Est-ce que la bonne vie ne suffit pas? On a dit que la négligence était l'une des choses qui faisait en sorte qu'on puisse avoir la paix. Mais je n'ai pas négligé le travail, j'ai travaillé. Mais est-ce que le travail ne suffit pas? La Bible est en train de dire, non, ce n'est pas le travail qui suffit. Non, ce n'est pas la force qui suffit. Ce n'est pas associer des personnes, mettre son intelligence qui suffit. Mais c'est la grâce du Seigneur qui suffit. C'est parce qu'il a choisi ta marque. Tu as la grâce devant toi. Mais c'est que je choisis ta marque suffit. Jésus me dit, c'est que j'ai choisi ta vie suffit. C'est que je te fasse grâce suffit. C'est que quand je te choisis, te suffit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La dernière des choses, je ne sais pas, on a commencé par dire qu'il fallait reconnaître qu'on a échoué, qu'il fallait laisser Jésus entrer dans nos vies, qu'il fallait avoir confiance en Dieu. Et la quatrième des choses que je nous dis, après quand nous allons prier, on a besoin de l'Esprit de Dieu, alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui restaure, c'est l'Esprit qui recrée, c'est l'Esprit qui arrange, c'est l'Esprit qui façonne, c'est l'Esprit qui vient et qui emmène un perfectionnement, alléluia. La Bible me dit dans Genèse 1, il y avait le chaos, il y avait de la guerre. Les choses étaient détruites, les choses n'étaient pas en bon état. Mais il a suffi que l'Esprit de l'Éternel se mouve pour qu'un mouvement se fasse et qu'il y ait une création. Je crois fermement que l'Esprit de Dieu est en train de mouver en ces lieux et donne la création là où il faut.
que donne la création là où il faut, Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, touche en ce moment, touche Seigneur Jésus, les endroits qu'il faut restaurer. On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que la mort pouvait être une sorte de bruit. Et la Bible me dit dans Ézéchiel 37, verset 9, que devant les morts, il a fallu que l'Esprit souffle de quatre vents. Il dit, Fils de l'homme, parle, prophétise, parle à l'Esprit. Dis-lui, parle à l'Esprit, dis que l'Esprit souffle de quatre vents et donne vie à ses morts. Et la Bible dit, il a parlé selon que l'Esprit l'avait ordonné, et l'Esprit a soufflé, les morts se sont mis à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que l'Esprit de Dieu souffle dans ce lieu. Il faut que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie. Il faut que l'Esprit de Dieu souffle dans tous les domaines de ta vie. Oh, Esprit souffle de quatre vents afin de créer un mouvement. Est-ce qu'on peut blesser nos têtes et prier? J'aimerais que quelqu'un demande l'Esprit de Dieu. J'annonce à quelqu'un que c'est l'Esprit qui restaure. Est-ce que tu peux appeler l'Esprit de Dieu? Esprit, c'est toi qui restaure. Esprit, c'est toi qui renouvelle. Esprit, Esprit, c'est toi qui recrée. Est-ce qu'on peut appeler l'Esprit du Seigneur en ces lieux? L'Esprit est présent. Invite-le dans ta vie. Est-ce qu'on peut demander l'Esprit de Dieu? Esprit de Dieu, Esprit de toute intelligence, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de bon moment. Est-ce qu'on peut demander l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut demander l'Esprit de Dieu en ce moment? Dénommée la restauration dans son thème, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, tiré dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 4. Cette fois, pas seul, avec le Saint-Esprit de Dieu. En tout cas, merci beaucoup à vous qui êtes là, nombreux pour nous regarder cette soirée de prière. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Bien-aimés et vous, enfants de Dieu, n'hésitez pas à s'abonner, partager les liens. Surtout, n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification pour rien rater nos prochaines vidéos.